Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot. Des conditions de jeu parfaites. Un stade magnifique, les minutes fallait plein. Ce n'était pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires. Une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. C'est le moment de l'hymne national uruguayen. D'après nos informations, ce serait donc un 4-4-2. Qu'en pensez-vous, Darren ? On a un milieu de terrain très fourni. Bon, vous me direz, c'est l'idée quand on aligne 4 milieux. On voit souvent ce type de système chez les équipes qui aiment bien jouer en contre. Mais ça veut dire aussi que les milieux défensifs ont beaucoup de boulot. Là, il faut à la fois protéger sa défense, mais aussi assurer de bonnes relances. C'est parti pour cette rencontre. C'est la dernière rencontre de la phase aller de ce championnat. Juste après, on pourra faire un premier bilan. C'est écarté, bien fait. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu aller au bout. Allez jusqu'au bout, c'est dedans. Tout seul dans la surface, l'issue était presque certaine. Je trouve que c'est surtout bien amené. La dernière passe lui a permis de se mettre dans les meilleures conditions pour frapper. Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. C'est bien fait, ça. Tente sa chance. Et le gardien est présent. Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. Ce sera le premier corner du match. La bicyclette, elle est magnifique. Le geste parfait. Quelle frappe sensationnelle. C'est tout simplement incroyable. Magic. Oh, c'était incroyable, un but magnifique. Le jeu reprend sur un score de parité. Ah, c'est dommage d'encaisser ce but juste après avoir marqué. Attention, messieurs, il faut rester concentré. La passe est précise. Il est passé. Faut tirer là. Oh, la main ferme. Oh, quel arrêt. Oui, il était bien concentré. Bravo. Peut-être un nouveau but sur corner. Quelle détente! Oh, pas de chance sur ce coup! C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. Le drapeau s'est levé, hors jeu.
Nous sommes quasiment à mi-parcours de cette saison et tenez-vous bien, cette équipe a remporté tous ces matchs jusqu'ici. Alors, est-ce qu'ils auront besoin de renforts au mercato, d'après vous? En tout cas, les concurrents doivent trembler. Non, franchement, ils n'ont pas vraiment besoin de recruter. Le risque, justement, c'est que ça perturbe l'équilibre de cette équipe. C'est joué dans l'espace. Il est arrivé à se mettre en position, mais il n'a pas pu déclencher. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Bonne intervention. C'est osé. Beaucoup de suspense dans cette rencontre. Celui qui pourra pronostiquer le nom du vainqueur est très très fort. La faute. L'arbitre accorde ce coup franc. On est à l'extrême limite de la surface de réparation. Oh, il s'en sort bien, l'arbitre ne sort pas de carton pour cette fois. Le bon dégagement. Il est bien placé. Il n'a pas pu se retourner face au but. Quel dommage. Et il perd l'équilibre. Sur la gauche. La frappe, attention! Ça passe juste à droite. Un super tir, mais il n'a pas de chance. Il était tout près de marquer. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça peut être dangereux. Attention là. Hors jeu. Il a essayé d'y aller seul, mais sans réussite. C'est joué dans la profondeur. Au tour du gardien de jouer. Le long dégagement du gardien. Il a trébuché sur cette intervention. C'est joué long, attention. C'est joué long. Ça joue à gauche. Sous la pression. Oh, le tacle! Ah, c'était pas mal, mais le ballon est perdu. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Il cherche la profondeur. Va-t-il en profiter? La grosse intervention! Parfait, l'arbitre laisse jouer. L'arbitre a sifflé, faute. Long ballon vers l'avant. Dans la profondeur. Ah, il a essayé, mais ça n'a pas fonctionné.
passe. C'est reparti, ils peuvent contrer. Il a le champ libre. Il tire. Bonne intervention défensive. Bien servi. Oh, c'était dangereux. Quel geste. Quelle passe. On ne s'est pas ennuyé. On a vu les buts et tout reste à jouer en seconde période. C'était une première période très agréable. On a vu deux buts, des occasions et tout reste à faire dans la seconde partie. Cette équipe est vraiment à l'image de ses supporters, passionnés. On en redemande en deuxième période. Bien, un partout. Les deux équipes rentrent au vestiaire pour souffler un peu. Et le coup de sifflet, c'est le début de la seconde période. Le ballon dans la profondeur. L'Uruguay qui essaye de construire. La faute est sifflée. Dégagement du gardien. Il paraissait bien seul aussi. C'est récupéré. C'est bien donné. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Ce contre peut très bien aller au bout. Il allonge le jeu, qui est bien placé. Il s'impose physiquement dans ce duel. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Le gardien loin devant. Ils font bien tourner, mais ça manque de verticalité. Dans la profondeur. La passe est précise. C'est centré. C'est dégagé. Le jeu repart vers la droite. Le bon ballon. Il remporte son duel. Et il ne résiste pas au contact. Ça joue long vers l'avant. Voilà une bonne occasion de contre. La passe dans la profondeur. Oh, la frappe! Ça peut être tellement simple le foot parfois. Oui, c'est une équipe qui adore procéder en contre. Et comme ils ont les joueurs pour, et bien souvent ça va au fond. Et c'est donc un changement. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. Ce n'est jamais facile de résister à une équipe qui joue sans Vatu. Et pourtant, ils vont devoir tenir.
c'est bien, la passe à 10, il faut essayer d'être plus dangereux. Il a trébuché sur cette intervention. Un coup de sifflet, ce sera une faute. En plein dans le mur. C'est bien donné. Il écarte sur l'aile. Et bon centre dans la surface. C'est bon, le danger est repoussé. Il s'échappe. Il prend sa chance. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Il n'y a plus d'hésitation de l'arbitre, ce sera un coup franc. L'arbitre est clair, il lui dit de vite, vite se calmer. L'Uruguay qui peut avancer. Allez. Il décide d'allonger le jeu. Ça va vite. Attention avec les tacles. Là, ils cherchent à tuer le match. C'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquille. Je n'ai pas compté les centres, Darren, mais il y en aura eu un paquet aujourd'hui. Vous avez raison. Et cette équipe joue souvent comme ça. Mais quand on a un bon joueur de tête dans la surface, ou un coéquipier capable de la reprendre de voler, ça peut vite faire mal. Il était vraiment propre, ce tacle. S'il le trouve... Oh, le bon tacle glissé. Ce sera une remise en jeu. Ça peut partir en contre. Il y a de l'espace. Une poignée de secondes seulement. La victoire leur tend les bras. Coup de sifflet, hors jeu. Ah, mais ça fait plusieurs fois qu'ils se font prendre au piège du hors jeu. Faut qu'ils fassent plus attention quand même. Le gardien dégage, loin. Ça joue sur la gauche. C'est vraiment dommage, il le manque toujours un petit quelque chose. En la profondeur, bien vu. Il y a peut-être un coup à jouer. Attention, la frappe. Deuxième chance. On est dans les ultimes instants de cette rencontre. Oh, la maîtrise, quel bonheur pour les yeux. Longue ouverture sur le côté. Et c'est le coup de sifflet. Finale dans un stade qui gronde, qui trépigne. Oh, quel scénario génial à vivre et à commenter. Ils étaient menés, ils se sont arrachés tout au long de la rencontre pour complètement renverser la vapeur. C'était magnifique à vivre. Comment un tel retournement de situation est-il possible? J'aimerais bien avoir votre sentiment. Je pense que nous avons vu un sacré retournement de situation. Voilà ce que j'en pense, mon ami. Et peu de gens l'attendaient. On est malheureusement obligé de se quitter maintenant, Darren. Merci d'avoir vécu ce match à mes côtés. Très belle soirée à vous tous. À très bientôt. Tout le plaisir a été pour moi.